Nous pouvons faire une réforme extraordinaire, le linear schooling. Un composant de sa réforme-là, c'est nous ne récit abolir sa compétition féroce qui nous bat nos enfants. Tu peux faire pour l'examen CPE. Et Zodi, nous voulons assurer, le gouvernement nous voulons assurer, qu'il passe nous offrir meilleure l'opportunité pour nos enfants capables de réussir dans l'éducation, mais qu'il y ait une éducation qui est un niveau, nous peut remettre niveau là comme on besoin. Et c'est pourquoi les bizarres comme ça, ils dans l'intérêt des parents, ils dans l'intérêt des enfants. Les 4 crédits qui gouvernement remettait pour qu'ils enfants qui continuent sur l'étude. Il y a important ça. Parce qu'ils bizarres ont un niveau. Parce qu'ils ne sont pas capables, ou capables, contents, ou dire ben, 3 crédits. Mais, et là, il y a des gens qui disent qu'ils ne font pas des crédits aussi, qu'ils ne font pas une crédit aussi. Quand les enfants ils finissent pas autant d'années d'études, et n'y pas réussi. Les là où vous dites combien l'argent ils dépensaient, combien les temps ils qui m'ont pas oublié qu'en même temps, nous avons un niveau, mais en même temps, il ne faudrait pas l'argent, il y a une barrière, surtout pour les familles, les parents qui peinent les moyens pour les enfants qui vont continuer à faire l'étude quand je ne peux pas l'examen. Le métro express, c'est vrai, c'est véritablement le plus grand projet que Maurice peut réaliser. Et moi, si elle tout, c'est un commencement. D'ailleurs, il peut construire pour opérer sans l'année la même, depuis Roseville jusqu'à Port-Louis. Après, il peut opérer depuis Quimper jusqu'à Port-Louis. Mais vision qui nous est là. C'est un système de transport public qui est moderne, qui est confortable, qui pas fait ou perdre le temps, qui est plus économique, et nous voulons qu'il ait desservi l'île Maurice en entier à l'avenir. Ça, nous vision. Et certainement, Enzo, s'il y a tout le temps qu'il nous l'a, nous pouvons faire des sols. Qu'il vienne jusqu'à dans les sites. Parce qu'il nous connaît exactement qui manière pour amener progrès, pour amener développement pour nos pays. Mais nous pouvons faire travail comme on besoin. Et là, moi, j'ai un grand plaisir. Moi, non, ça, aujourd'hui, la première fois dans le handicap, c'est quand c'est posé, nous pouvons faire dans le secteur de la santé. Nous allons construire un nouveau hôpital pour permettre d'enseigner un étudiant à Flac. Nous allons construire, nous pas aller, nous pouvons construire actuellement un nouveau hôpital INT. Avant quoi? Et là, on a le grand plaisir à nos autres qui nous finissent de gagner leurs ans. Cadeau! Pour construire un nouveau hôpital Lisier. Mmh. 710 millions roupies, s'il vous plaît. Cadeau. C'est la jeunesse. Et qui. Bon, bien s'agrin pour constater qu'il, pendant des années, il soutient une mafia qui vient faire. L'industrie, le commerce, l'amour proliférer dans ce pays-là avec tout ce qui a été la drogue. C'est quand nous venons à ce gouvernement-là, nous venons, nous min business, nous avons un combat qui s'est en Irak, nous avons mené contre la mafia la drogue. Et comment nous dire, mon véritable petit mon papa, donc moi, j'ai même dit un mot aussi pareil. Et même quand il y a un combat, nous avons mené contre la mafia la drogue. Vous avez vu par un mécanisme. Voilà.